Nous terminons cette édition avec Travel West, une exposition qui réunit 33 artistes de 18 pays d'Afrique et qui constitue un panorama de la création récente d'artistes du continent et de sa diaspora. C'est à découvrir jusqu'au 20 mai à l'espace Actua à Casablanca. Ce sont des images de Amine Hiddou commentées par Samy Hels. Un foisonnement artistique aux couleurs de l'Afrique pour exprimer la créativité d'une trentaine d'artistes du continent. L'exposition Travel West, contraction de West et East, Est et Ouest, c'est aussi une belle image de l'effervescence et de la jeunesse artistique africaine. Nous avions trois catégories d'artistes qui sont les jeunes espoirs, les artistes émergents et les artistes consacrés. Pour cela, nous avons fait appel à notre partenaire, l'association Arcane, qui était à même de pouvoir nous procurer des œuvres de ces artistes-là et de tous ces pays. Les artistes abordent toutes les thématiques qui touchent les sociétés des pays africains, du nord au sud. L'environnement, la mondialisation, l'engagement féminin à travers différents médiums, une traduction de leurs espoirs et de leurs craintes. Dans mes toiles, j'essaie de transmettre des messages. Pour moi, les choses peuvent paraître très simples, mais elles peuvent cacher des sous-entendus quelquefois très compliqués. Tout ce que vous voyez, tous ces grillages-là, en fait, c'est les Africains qui sont derrière. C'est un peu les gouttes d'eau, c'est un peu les larmes, et c'est aussi l'emprisonnement. Cet emprisonnement, ils veulent bouger, ça bouge l'Afrique, mais ils sont encore complètement bloqués par quelque chose. Une exposition qui met à l'honneur la jeune création africaine, le reflet du dynamisme actuel de la scène artistique du continent.